الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en Islam, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous, cinquième session, troisième partie, et probablement nous la veille Ramadan, ou bien si trouve la ligne, peut-être demain nous commençons. God Rosa, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala trouve meilleur pour nous. Et nous, les musulmans, nous bien fini faire l'intention pour nous God, Siyam Ramadan. Tout musulman qui finit atteindre l'âge puberté, et homme et dame, et qui, ben madame, je n'êtes pas dans cette période, et je n'êtes pas fini accoucher. Alors donc, tout ben qui est en bonne santé et qui n'est pas dans voyage, bien God Rosa Ramadan. Parce que Rosa Ramadan, c'est un des bons piliers de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit Bouni al-Islam ala khams. L'islam lui base le cinq piliers. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'unicité d'Allah, témoignage de l'unicité d'Allah, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les messagers pour Allah, wa iqam al-salah, et applique salat, wa ita al-zakat, et donne zakat, wa sawmi ramadan, et God Rosa Ramadan, wa Hajj al-Bayt, man istatoua ilayhi sabila, et fait pèlerinage à la Mecque, celui qui n'a capacité. Donc, Rosa Ramadan, c'est le quatrième pilier de l'islam. Alors, nous, frères en islam et sœurs en islam, après qu'il nous fait l'intention pour nous God un mois au complet, le mois de Ramadan, alors là, il est très important pour nous faire un programme qui nous passe nos Ramadan convenablement. Quand on peut dire programme, on veut dire qu'il y a une chose qui est obligatoire, alors nous supposons faire l'île, et nous devons éviter une chose qui est capable d'affecter nos rosas, diminuer nos récompenses, et veut dire gâter nos Ramadan. Nous faisons dua avec Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Nous faisons dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, fais-nous bénéficier avec le mois de Ramadan. Nous pourrons dormir dans quelques heures, Inch'Allah, nous pourrons dormir avec l'intention pour nous lever tout d'abord Qiyam al-Layl. Si nous trouvons la ligne aujourd'hui, Tarawih commence aujourd'hui. 8 rakat, 20 rakat, 22 rakat, 26 rakat, 10 rakat d'après vos capacités. Ou faire salatul tarawih. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait quelques jours tarawih, et ensuite Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur qiyamul layl qui est très long, ben sahaba fin fait tarawih après Isha jusqu'à Fajr. Alors donc nous avons tout ça long les temps pour nous capables faire tarawih, mais nous commençons après salat Isha. Salatul tarawih, ce principe commence après salat Isha, non pas comme certains faire qui nous commence Salatul Tarawih après minuit. Salatul Tarawih, sur les spécificités, c'est un salat en jamaat, c'est Qiyamul Layl pendant Ramadan qui commençait tout de suite après Salatul Isha. Alors, donc, nous faisons Salatul Tarawih à la maison, monsieur et madame et enfants. Celui qui pas connu lire, celui qui connaît quelques sourates, il lit. Celui qui pas trop connu, il est capable d'attraper un mushaf de Solamé et il lit. En tant qu'un papa de la case, les lire et ben là, alors hier, je te suive. Je fais 2 rakat, long rakat, 4 rakat, 6 rakat, d'abord je te moyen. Ensuite, frère en islam, Qiyamul Layl. Qiyamul Layl, c'est pas seulement salat, c'est tilawat al-Quran, dua, dhikrullah, l'étude islamique. Alors donc, avant d'aller, nous continuons à prendre din, nous continuons à rendre récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lever le matin, nous faire salat al-Witr. Si nous ne faisons pas le lit avant de dormir, alors nous faisons salat al-witr avant qu'il nous termine nos suhur. Donc nous faisons salat al-witr, 1 rakat, 3 rakat, 5 rakat, dépendant de la quantité qui nous capable, nous faisons salat al-witr. Ensuite nous faisons suhur. Suhur qui nous appelle le sihri, alors c'est un repas qui nous mangeait juste avant Fajr. Qui veut dire si salat al-fajr, là actuellement, azan pour donner 5 et 10 à peu près, alors donc, ce rôle lui commençait, disons, 4h30, ou bien au maximum 4h15, une heure de temps, ou capable de faire ou ce rôle, veut dire, avec pause. Mais un djimoun n'est pas fait sehri avant d'aller dormir. Un djimoun n'est pas fait sehri une heure du matin, deux heures du matin. Ce rôle, c'est un repas juste avant Fajr. Donc, nous faisons ce rôle. Et meilleur, quelque chose qui nous capable de manger pendant ce rôle, c'est tam. Nous mangeons tam. Ça c'est sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous mangeons suhur et nous avons beaucoup de bénédictions là-dedans. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Tasahharu fa inna fi suhuri baraka. Fais suhur parce que dans suhur il y a baraka.
Alors, quand une fille fait une séhri, là, Fajr prêt pour rentrer. Tout d'abord, frère en islam, il y a un dua qui dit mon lia pour atasniyat, grand matin. L'intention, nous faire lier avec nous l'esprit, avec nous l'équerre. Nous n'avons pas fait l'intention avec phrase, bonne récitation, bonne phrase. Mais aucun dua est spécifique pour nous capables attache nous l'intention. Seulement nous faire l'intention dans nous l'esprit. Et nous pas faire ça erreur, nous pas base l'eau azan pour nous arrêter manger. Parce que parfois il y a un décalage dans réveil, dans l'air ban masjid. Une minute, deux minutes décalage. Parfois une moisine il fait retard. Parfois elle dit moun donne avant. Alors nous vérifier bien nos timetable horaire Ramadan sehri et nous mos avec sa horaire. Nous pas faire sa horaire, nous pas dépendre le moazine. Si n'arrivez nous peut manger, il n'arrive l'air. Si nous peut manger, il n'arrive l'air. Si 5 et 10 piles nous besoin d'être manger et nous pas s'y connaît, nous peut boire. Ça veut dire il a un gosier de l'eau dans nous la bouche. Il arrive 5 et piles, nous boire. Nous boire. Si n'arrivez nous pouvons manger et un morceau de pain dans la bouche, comme un arbre 5 à 10 piles, nous tirons ce morceau de pain là, ou après nous lavons la bouche, nous ne continuons pas manger. Quand un arrive salé là, ça veut dire nous arrêtons en place. C'est pour cette raison que Ibn Ulama dit fini Sehri quelques 1 minute à la rigueur avant Fajr, pour dans safe side, pour qui ou pas tombe dans sa problème. Donc voilà quand nous faisons le Suhoor. Après Suhoor, frères en islam et sœurs en islam, il est très important que nous lavons la bouche, nous ne pas laisser des déchets rester dans la bouche pour que dans le matin, nous puissions trouver un gros bout de la chair ou bien une petite sauce qui nous restait et nous avaler, il n'est pas correct. Alors, si il grossit, un grossier est exagéré, il est capable d'annuler nos rosa. Nous lavons la bouche convenablement. Et quand nous finissons de faire Suhoor, nous n'avons pas à dormir. Quand nous finissons de faire Suhoor, nous allons faire Salatul Fajr. Salatul Fajr est plus important que Rosa. C'est lui qui rate un salat pendant qu'il y pégote Rosa, ce Rosa annulé. C'est lui qui rate un Faraz, Zohar, Fajr, Zohar, Asar et Maghrib. Sa 4 salat là, dans l'air que t'en dis, il pégote ce Rosa. S'il y rate un salat volontairement, consciemment, alors qu'il y Rosa, ce Rosa annulé, ça c'est l'opinion majorité ban ulama. Nous finissons Fajr, nous n'avons pas à dormir, frère en islam, tout de suite. Le meilleur qui nous fait dhikrullah, nous pense à Allah subhanahu wa ta'ala, nous fait un agenda pour nos familles, qui dans ce Ramadan nous fait maximum sunnah qui nous capable. Nous avons 12 sunnah réguliers, mu'akkada, 200 sunnahs avant Fajr, nous avons 4 sunnahs avant Zohar, 4 sunnahs après Zohar ou bien des sunnahs. Nous avons 4 sunnats, 2 sunnats après Maghrib et 2 sunnats après Isha. Ça, c'est les 12 sunnats mu'akkada qui tous les jours nous supposons faire. Nous avons les autres sunnats, 4 sunnats après Fajr, après Asar. Nous avons encore 10 sunnats après Salat al-Dhuhr. Nous avons beaucoup de nafil, Salat al-Duha, Salat al-Ishraq, quand le soleil peut lever, nous faisons des rakat à 4 rakat. Nous faisons Salat al-Duha, quand le soleil fini, monte là-haut vers 10h, nous faisons Salat al-Duha. Alors tout cela c'est bien, Salat qui nous capable de faire dans la journée. Et nous faisons Tahiyatul Wudu, si nous capable, quand nous wazou cassé, quand nous pas faire Salat, nous faisons des rakat Tahiyatul Wudu. Alors tout cela c'est bien, moyen qui nous capable de rapprocher nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يُقَرِّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ » Mon esclave, il peut continuer à rapprocher avec moi avec Nafil. Pas avec Faraz. Faraz, c'est une obligation. Ou l'est ou pas l'est ou pour besoin faire l'est. Mais un dimon, il rapproche avec Allah, avec Nawafil, avec ben quelque chose en plus, qui est là dans le din, mais qui n'est pas obligatoire. Hatta uhibba. Allah subhanahu wa ta'ala dit jusqu'à qui m'a content l'est. Fa idha ahbabtuhu, comme on compte un esclave, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha. Mouvin ses oreilles avec laquelle il écoutait. Wa basaruhu alladhi yubsiru biha. Mouvin ses lisiers avec laquelle il trouvait. ويده التي يبطش بها موفين سلامي avec laquelle il touche ويرجله ورجليه الذي يمشي بها موفين سديلي pied avec laquelle il marche. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous qui si nous rapprochons avec lui avec ban quelque chose nafil les comptons nous les vous protège nous regard les vous protège nos oreilles les protège nous amène nos pieds qui ne pas tombe de haram. Donc frère en islam, c'est le mois de ibadat et meilleur ibadat pendant le mois de Ramadan c'est Shahrul Quran, lecture Quran.
Il est très important, frère en islam, qui au minimum nous termine un khatm au Coran. Ban ulama et ban djimoun avant, tu peux faire chaque 3 jours. Si nous sommes capables, chaque 3 jours, nous terminons le Coran. Alhamdulillah. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est capable de 3 jours, sinon de 5 jours, sinon de 7 jours. Sinon au minimum, 3 tilawat au Coran, chaque 10 jours, on termine un. Et une petite chose qui est tellement facile. Si après chaque salat, surtout nous dans nos confinements, nous sommes capables de lire 10 pages dans chaque salat, il fait nous 50 pages, il fait nous 10 sipara et demi. À 3 sipara par jour. Dans 10 jours, facilement, nous sommes capables de terminer 3, veut dire un Coran, tilawat au Coran, dans 10 jours et dans moins 3. Alors donc, frères en islam et sœurs en islam, et aussi nous pas oublier nos bons frères, nos bonnes sœurs qui malheureux, nous n'a zakat, nous n'a sadaqa, qui est très important, qui nous pense pour nos frères, nous sait, la yu'minu ahadukum, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Les papes, on a vraiment un vrai iman, s'il n'est pas content pour son frère, pour ceci, il y a quelque chose qui est content pour nous, pour lui-même. Alors nous comptons de faire un bon sihri, nous comptons de faire un bon iftar. Alors frères en islam et sœurs en islam, nos bons frères et sœurs qui démunis, qui peinent à manger, alors facilitez-vous, vous êtes capable de faire un bon suhour et un bon iftar, qui Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec nous. Frères et sœurs en islam, dans la journée de Ramadan, il y a une petite chose qui annule le rosa, qui nous faisait prendre compte, qui nous finit causé dans la fois passée, dans la vidéo précédente. Et il y a une petite chose qui est permissible, et il y a une petite chose qui diminue récompense de nos rosa. Parmi les petites choses qui diminuent récompense de nos rosa, quand nous fait pécher, quand nous fait ban pécher avec nos yeux, avec nos oreilles, nous écoute santé, nous guette l'indécence, nos rosa sauve aller les diminuer. Et la ban pécher encore nous cause ban mots grossiers, nous ourer, nous cause menti, les diminuer nos péchés. Man lam yad'a qawl az-zur wal 'alam wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun an yad'a ta'amahu wa sharabahu. C'est lui qui n'a pas quitté les mensonges de la parole et dans l'action. Allah pas besoin qu'il y reste sans manger, sans boire. Donc, il y a beaucoup d'actions qui diminuent nos sawab. Péché, entre autres, les diminuent nos sawab pendant la journée Ramadan. Dormi, plus qu'il besoin, les diminuent nos sawab. Il ne faudrait pas nous faire Ramadan et venir une journée dormi de sommeil. Depuis Fajr, nous dormi jusqu'à Zohar. Et après nous lever, nous faire Zohar, après nous redormir. Ça, ce n'est pas une vraie Ramadan. Nous besoin faire attention avec sa frère en islam qui nous profitait avec le mois de Ramadan. Mais les bons qui nous gardent dans le moment de repos dans la journée. Repose maximum si vous êtes capable de la journée après Zohar, avant Zohar un tigit, après Asar un tigit, vous capable de ne pas aucun dégoût si nous reposons après Asar. Ce hadith qui dit empêche-nous de dormir après Asar, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Alors nous avons droit à reposer, mais après Maghrib, les défans pour nous dormir après Maghrib. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit empêché de dormir après Maghrib, sauf un timoun s'il est malade, s'il n'est pas capable. Mais avec choix, nous n'avons pas dormi après Maghrib parce qu'il y a le risque qu'il ne soit pas capable de faire Isha. Donc, nous reposer, qui fait pour qu'il nous a full l'énergie pour nous faire ibadat Allah dans sa nuit bénie de Ramadan. Dans le mois de Ramadan, frère en islam, il y a un grand la nuit qui s'appelle Laylatul Qadr. Laylatul Qadr est khayru min alfi shahr. Le mois de Ramadan, il est meilleur que 1000 mois. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient de nous rendre le mois de Ramadan, Laylatul Qadr, dans les 10 derniers jours. Et probablement, il est fort probable qu'il vienne dans les jours non pairs, mais pas en condition. Dans les 10 derniers jours, nous faisons maximum d'efforts si nous sommes capables, passe majorité de la nuit dans l'ibadat, si nous sommes capables de faire nous faisons. Mais nous faisons un bon passage de la nuit, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala. Et un de nos dua qui est bon qui nous demandait pendant la nuit de Laylatul Qadr, nous dit Allahumma innaka afuun, ou Allah te pardonneur, tu hibbul afwa, fa'afu anni. Alors tu comptes pardonner, alors pardonne-moi. Allahumma innaka afuun, tu hibbul afwa, fa'afu anni. Ou demande Allah subhanahu wa ta'ala, et ou passe la nuit dans Qiyamul Layl, dans Tahajjud, dans faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il nous gagne Laylatul Qadr, sa grande récompense, 83 l'année, comme si nous faisons faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Frères en islam et sœurs en islam, le Nazakatul Fitr, qui c'est un ibadat qui est très important pour purifier nos rosa et nos imperfections. Nous prenons un manquement de nos rosa, nous avons des erreurs qui nous font faire, nous avons un manquement qui nous font faire, un péché qui nous capable de faire. Alors donc, ça, Sadaqatul Fitr, il faut purifier nos rosa. Qui nous vient tirer? Nous tire un sort, veut dire à peu près 5 livres. 5 livres d'iri, ou bien 5 livres la poudre d'iri.
ou bien c'est lui qui consomme la farine, ou bien l'icône Manjimun qui mange la rôti tous les jours, il est capable de donner 5 livres de la farine. Mais il est très rare, je dis que Jimun, grand matin, tantôt, mange rôti. Alors, diri, c'est l'idéal, ou tu as 5 livres diri, comme Sadaqatul Fitr, ou donne Manjimun qui peine à le moyen pour tu as Sadaqatul Fitr. Sadaqatul Fitr, il te fait, Jimun riche, Jimun pauvre, vos enfants, adultes, même enfants qui d'inventent une maman. N'oubliez pas de faire Sadaqatul Fitr pour tous avant Jimoun. Et même un Jimoun misère, s'il y a le moyen pour tirer, il est bien tiré. À qui ça nous donne Sadaqatul Fitr? Nous donne Sadaqatul Fitr à celui qui peine le moyen pour tirer. Alors, Ali, Sadaqatul Fitr. Alors, nous donnons 5 livres d'iri par personne. 5 livres d'iri, bonne qualité moyenne, ni trop cher, ni bonne tiri faire qualité. Nous donne ça à Ban Jimoun. Quand nous donnons Sadaqatul Fitr, nous donnons Sadaqatul Fitr au minimum 2 jours avant Eid. 2 jours avant Eid, mais l'idéal c'est le jour de Eid. Mais seulement nous connaissons difficile. Alors 2 jours avant Salatul Eid, nous capables commencer à tirer nos Sadaqatul Fitr. Ou bien nous capables de donner l'argent à Ban Jimoun de confiance, qu'il est capable de finir à stay, les garder. Et le jour de 28e, il commence à porter Sadaqatul Fitr pour vous. Alors ça c'est Sadaqatul Fitr qui est très important, qui est obligatoire. Le tout musulman qui a le moyen pour tirer Sadaqatul Fitr, j'ai besoin de tirer Sadaqatul Fitr. Alors voilà frère en islam, comment nous pouvons supposer passe nos Ramadan. Et frère en islam et sœurs en islam, il y a certaines banti la loi qui est facile, qui nous besoin de connaître. Comme on a fait une cause la fois passée, et il y a une petite chose qui est permissible, et il y a une petite chose qui est facile, qui permet, les permet pour un djimoun. Les gouttes manger, un djimoun est capable de tirer 10 ans, capable d'un 10 ans, un djimoun est capable de dormir, il est capable d'avoir sur la crasse, mais il n'y a aucun problème, il n'y a pas qu'à se rosa. Un djimoun, s'il mange, il mazine, dans sa lèvre là, il n'est pas ticonné, il oublie quand il peut manger, il mazine, tout de suite, il arrête ça, manger là. Et il crasse sa quenelle sur la bouche, il lave sur la bouche. Et il continue, quand sur l'osa, pas de problème. Sur l'osa, n'a pas affecté. Man akala wa shariba nasiyan fa inna fal yutim sawmahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dit, c'est lui qui fait manger et boire. Pas oublié. Fal yutim sawmahu, qu'il complète sur l'osa, fa inna ma at'amahu Allah wa saqa. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait donner à manger et à boire. Donc, ça, c'est une question qui est permissible. Frères et sœurs en islam, et Naban Jimoun, parfois, ben jeune surtout, je peux dormir, je peux arriver, faire ben rêve et je trouve ça le casser. Li pas casse rosa. Li pas casse rosa. Si un djimoun, li fin faire ben rêve, qui se rosa, li fin casser, li pas casse rosa, li n'est qu'il n'a pour baigner. Et là, ben djimoun, surtout, ben nouveau marié, ou bien n'importe qui, ben couple, monsieur, madame, parfois, pendant la nuit, je fin rentre de ménage et je fin lever, je fin faire séhri, je peux encore faire rosa. Li pas un problème. Je suis capable de finir faire cette série, je suis capable de finir banzer, boire, asan fini donner, je suis fini faire l'intention, là je suis allé baigner, là je suis faire salat al-fajr. Il n'y a pas une condition quand on peut faire série, nous besoin de roussel. Il n'y a pas une condition. Si arrive une madame, les finit gagner cette période pendant la journée Ramadan, même 5 minutes avant Maghrib, alors ce rosa, il pour annuler, il besoin de remplacer sa rosa. Par rapport à Ben Jimoun qui est malade, et n'a parfois besoin de ses fidia, et n'a pas besoin seulement remplacer cette rosa. Alors, pour ban madame qui envoie de famille, ban madame qui peut aller de ses enfants, vous êtes supposé guetter si vous êtes capable de garder. Si vous êtes capable de garder, alors il est bon que vous êtes gardé. Mais si un djimoun qui envoie de famille, une madame qui envoie de famille, ou bien il peut aller de ses enfants, il sent affaibli quand il garde de rosa, ou bien sur l'estomac gratté, ou bien docteur, il n'est pas gardé. Alors, ça qu'il est besoin de faire, il n'a pas gardé pour sa nombre de jours qu'il n'est pas pour garder là, et après, quand il vient, il remplace ce rosa. L'IP n'a pas de fidia. Par contre, un djimoun qui est malade, et dès qu'il est malade, un djimoun qui est malade et temporaire, il fait un problème, il fait malade. Alors, donc, l'IP est servi, ben comprimé, pour sa banzo, 10 jours, il est besoin de suivre ce traitement-là. Et alors, dans ce moment-là, il n'a pas gardé rosa, et après, quand il vient, il remplace. L'IP n'a pas de fidia. Un djimoun qui est malade temporaire, il n'a pour tirer fidia, il n'a seulement pour remplacer le rosa. Mais un djimoun qui est malade en permanence, qui veut dire un djimoun qui est obligé de boire comprimé grand matin et soir et la journée. Alors il est obligé de boire ce comprimé, il n'est pas capable de décaler sa banlée. Alors ça va un djimoun, il n'a pour garder le rosa, alors il tire fidia. Il tire fidia pour ça 30 jours qu'il n'est pas fin capable de garder. Pareil comme ça même, un djimoun qui est très âgé, un djimoun qui est bien vieux, qui, je suis tant faible, qui je suis pas capable de garder rosa, je suis pas capable de garder.
Alors Allah subhanahu wa ta'ala, finjaw ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ban jimun ki pa capable garder li tie fidya. Alors donc ban vie jimun ki age ki pa capable garder roza, je tie fidya pour sa 30 jours. Comment nous tie fidya, frère en islam et sœur en islam? Nous tie fidya, nous capable tie li commencement Ramadan, le premier Ramadan, nous capable tie li tous les jours, nous capable tie li à la fin de Ramadan. Nous avons flexibilité pour tie fidya. Qui nous bise tiré, nous tie un plat manger pour chaque jour. Un plat manger moyen pour chaque jour, qui veut dire que si un dimoun n'a pas fini de 30 rosa pour maladie ou bien pour vieillesse, alors il tient 30 plats manger. Il est capable de faire un dexi manger 30 dimoun, il donne ça 30 malérés le premier jour, alhamdulillah, les finitiers se fidia. Ou bien la fin Ramadan, il fait un plat manger, il fait un dexi manger, briani par exemple, ou bien des potes qui mangent qui a juste valeur, moyen, alors il donne 30 dimoun manger, puis il n'a aucun problème. C'est ça, façon-là, qui nous tient nos fidyas. Voilà, frère en islam et sœurs en islam, quelques consignes qui nous capables de faire pendant la journée, pendant le mois de Ramadan. Pour enfin arriver, frère en islam et sœurs en islam, nous capables de gagner un petit problème au djimoun. Donne-nous la case même, dans nos voisinages, ou bien nous sortir le chemin. Djimoun capable irrite nous, djimoun capable provoque nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut dire, c'est lui qui peut provoquer lui, qui peut faire lui, faire lui faire colère, dire lui, fait inni sa'im mo rosa inni sa'im quand djimoun peut provoquer peut faire faire colère dit ali mo rosa pour qui ou capable contrôle ou même on n'a pas fait colère pendant le mois de Ramadan garde ça mois là un mois de paix un mois de tranquillité les bons aussi frères en islam et sœurs en islam qui nous fait khayrat avec nous l'argent et il pas spécifique à seulement ban musulman nous capable donne à manger et à boire, ben non musulmans, qui pas fait nous dito, qui pas pérote nous malheur, et n'a beaucoup ben innocent, et n'a beaucoup ben dimon faible, et n'a beaucoup ben dimon qui peut-être s'accapare sans autre l'équerre, ou donne autre une nourriture, ben dimon ben SDF, ben clochard au chemin, ou capable faire khayrat, ou donne autre manger, qui Allah subhanahu wa ta'ala récompense ou, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait avec ben action qui nous fait, qui nous bise pas sous-estime une bonne action. Tout bon action, il y en a sur pesant d'eau auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, nous faisons un bon Ramadan, nous lave nous les kia, nous pas garder la haine dans nous les kia pour nous frire, pour nous serre, nous pardonner et nous accepter le pardon quand du monde devant nous esquise. Alors donc, nous faisons un bon Ramadan, parce que la frère en islam et sœur en islam, nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.